Grazie, grazie Alberto. E visto che, diciamo così, in questa festa stiamo parlando di cose tristi, adesso diciamo scendiamo di un gradino purtroppo nella scala della tristezza e della disperazione, invitando Panagiotis a venire qui a spiegarci un po' quello che sta succedendo in Grecia. Allora, la situazione è la seguente. Io mi sto attrezzando, perché quando chiuderanno anche le università italiane, dopo aver chiuso quelle greche, mi dovrò trovare un altro lavoro. Per cui questa sera vi tocco come traduttore, visto che non siamo riusciti a coinvolgere un traduttore dal francese. Allora, lui parlerà e io farò la consecutiva, però la colpa è vostra, perché non siete veramente europei. Perché mi avete fatto spendere un botto di soldi per la traduzione, fra l'altro vedo che continuate a sbattere per terra, cioè, non ho capito, a sbattere per terra... Cosa? T'as compris? Les appareils sont allemands, c'est pour cela qu'il est. C'è noi aussi. Anche in Grecia sono tedeschi, appunto, ma questo l'abbiamo visto dal famoso current account. Allora, Panagiotis, come è capitato qui? Dunque, è capitato qui perché lui ha un blog che si chiama GreekCrisis.fr, non Frosinone ma Francia, che da due anni. Come il mio, questo è il secondo compleanno, noi abbiamo iniziato il 16 novembre e lui ha iniziato invece a ottobre. Segue l'evoluzione della crisi greca con uno sguardo che per fortuna non è quello di un economista, perché non è che sono tutti come quelli che stanno qua dentro gli economisti, qua diciamo li abbiamo un pochino selezionati all'ingresso, e quindi provenendo da una formazione di etnologo e antropologo che aveva collaborato sostanzialmente con il CNR greco fino allo scoppio della crisi, poi dopo ovviamente prima di chiudere le università comunque hanno pensato di ridimensionare la ricerca, ha esaminato le sofferenze del suo popolo in un libro che adesso è uscito in Francia e si chiama La Grèce fantôme, la Grecia fantasma, Voyage au bout de la crise, che è un titolo che piacerà molto al nostro amico Marco Basilisco e sul quale ovviamente potremo discutere per ore su come tradurlo, diciamo così, la traduzione Viaggio al termine della crisi, volendo ispirarsi diciamo a Céline, 2010-2013. E intanto vorrei chiedere a Panagiotis di darci così un minimo di quadro della situazione greca, perché noi non sappiamo quello che sta succedendo in Grecia, perché nessuno ce lo dice, e secondo me nessuno ce lo dice perché non ci vogliono far capire dove stiamo andando a finire. Personne nous parle de ce qui arrive chez vous parce que ils ne veulent pas qu'on sache où nous allons. D'abord, merci pour votre invitation. Et je voudrais dire que le cas grec est emblématique de ce qui se passe en Europe, parce que déjà, c'est une situation beaucoup plus grave pour l'instant qu'ailleurs,
Et deuxièmement, parce que la Grèce est devenue déjà le fantôme d'elle-même. Et en plus, c'est un pays qui, en réalité, n'est plus dans l'euro dans les faits. Allora, il caso della Grecia è particolarmente importante perché è il paese che ha sofferto di più della crisi e perché è di fatto diventato il fantasma già di se stesso. Je voudrais dire d'abord que lorsque j'ai dit la Grèce n'est pas dans l'euro, évidemment c'est un pays qui fait partie de la zone euro, mais premièrement l'imaginaire de l'euro n'est plus, c'est-à-dire on n'a plus cette qu'on appellerait, si vous voulez, cette culture de l'euro, et pour les mentalités, pour une immense majorité des gens, l'euro déjà est synonyme de catastrophe et de mort. Sì, l'avete. Di fatto la Grecia non è più nell'euro perché, pur essendo nell'euro formalmente, quello che dice Panagiotis è che per la maggior parte della popolazione ormai l'euro non ha più quel significato di identità, ma è sintomo di catastrofe e di morte. Il faut dire aussi que la Grèce est un laboratoire très très réussi de ce qu'on appelle la politique du choc provoqué, hein. Et j'ai dit réussi parce que souvent on a dit que finalement ça n'a pas marché, que finalement la Troïka et les mémorandums s'étaient trompés. Ce n'est pas vrai du tout, ils ne se sont pas trompés. La Grecia è un laboratorio riuscito di quello che chiamiamo la shock economy, insomma, non, Panagiotis non ha citato Naomi Klein, ma penso che ce l'avesse in mente. Eccone un altro che è caduto, altre lupiotte. Ah, regà, è namo un po', ma ce l'avete delle tasche? L'avete riempite coi pasticcini? Per favore, metteteci i ricevitori. E si dice talora, e questo è un punto molto importante che abbiamo discusso anche nel nostro blog, e ne abbiamo discusso nel blog molto spesso, si dice talora che sia un esperimento non riuscito perché la Troica ha ammesso i propri fallimenti, ma in realtà, dice Panagiotis, questo non è vero, perché evidentemente nel risultato, diciamo così, c'era un'intenzionalità, insomma, ecco, mi sembra di capire. Ce que tu veux dire, c'est qu'il y avait des intentions de d'amener le pays à ce point. Je veux dire, là, on ne peut plus raconter en Grèce que finalement ils se sont trompés, qu'il y a eu trois algorithmes et demi qui n'ont pas fonctionné, et que ceci et cela. Alors, moi, j'ai la chance ou la malédiction de ne pas être économiste. Donc, grâce à vous, les économistes, j'apprends des choses depuis longtemps. Je discute avec aussi des économistes grecs comme Lapavitsas. Et j'ai une vision qui est un peu, évidemment, différente. Je regarde ce qui se passe en anthropologue. Avant, j'ai travaillé, et en historien aussi, j'ai travaillé sur les guerres et sur les quotidiens des guerres passées. Alors, le hasard et mon déclassement, on va dire, économique, a fait que, finalement, j'évite dans une nouvelle forme de guerre. Et de plus en plus de gens en Grèce considèrent que l'euro n'est pas une monnaie, mais une arme. Sì, ha detto... Poi scopro che il francese lo sapete tutti, dopo mi incazzo. Ha detto che lui evidentemente non viene da una formazione di economista e nessuno è perfetto, ma ha l'opportunità di confrontarsi con molti economisti. Fra l'altro vi posso dire che è stato lui a farmi il nome di Kostas Lapavitsas, che poi ho contattato per farlo entrare nel manifesto di solidarietà europea, così sapete anche questo backstage che non vi avevo mai detto. Sapete che Kostas Lapavitsas ha aderito al manifesto, è stato Panagiotis che mi ha detto, perché io cercavo, grazie Panagiotis,
perché anch'io cercavo di capire, ma possibile che i greci sono peggio di noi, che non c'è nessuno che è contro l'euro? E andavo a cercarli col lanternino e gli è successa una cosa che è simile a quella che è successa a me, cioè il suo lavoro è diventato attuale, perché lui prima si era occupato della guerra, degli aspetti antropologici della guerra, e adesso la maggior parte dei greci pensa che l'euro sia un'arma. È successo anche a me, io mi occupavo dei paesi in via di sviluppo e l'euro ha fatto diventare i paesi europei dei paesi, diciamo, in via di sviluppo, nel senso che si indebitano in una moneta che non è la loro, no? Come l'Argentina si indebitava in dollari, però la Fed non è a Buenos Aires, noi ci indebitiamo in euro, però la BCE non è a Pescara. Donc, ce qui s'est passé déjà, c'est que pour une grande partie des Grecs, ils sont sortis de l'économie réelle. C'est très concret. Bon, les chiffres, on les connaît. Premièrement, les produits intérieurs bruts a chuté de 25% en à peu près 4 ans. À ma connaissance, c'est une entre guillemets performance extraordinaire et peut-être c'est du jamais vu partant de paix. Deuxièmement, le chômage, il est à peu près à 30% officiellement et à 65% officiellement chez les jeunes. Et en plus, il y a un suicide tous les 18 heures et beaucoup de Grecs qui émigrent vers l'étranger. Et quelques-uns d'ailleurs choisissent l'Allemagne, parmi eux des gens qui sont très très qualifiés, c'est-à-dire des ingénieurs, des médecins, des scientifiques. Et il y a aussi 3 millions de personnes en Grèce qui n'ont plus accès au système de santé parce qu'ils ne sont pas couverts par la sécurité sociale. Et 3 millions, ça fait un tiers du pays pratiquement. Et il y a un effondrement aussi dans tout ce qui est les structures de la santé publique et de l'éducation. Tout ça pour dire que le tissu industriel grec a aussi perdu à peu près 30% depuis la dite crise, et c'est énorme. Il faut pas trop profiter de ma mémoire parce que je prends de l'âge. Dunque, dice Panagiotis una cosa che più o meno questa riusciamo a capirla anche da fuori, perché le statistiche ci sono. I greci sono sostanzialmente usciti, dice lui, dall'economia reale. Il PIL si è contratto del 25% negli ultimi 4 anni, che è una cosa che non è mai stata probabilmente vista in tempo di pace, almeno la disoccupazione è al 30%, la disoccupazione giovanile è al 65%, c'è un suicidio ogni 18 ore, naturalmente c'è un'emigrazione che è soprattutto emigrazione qualificata, ci sono 3 milioni di persone che non sono più coperte dal sistema di sicurezza sociale e che quindi se si ammalano fondamentalmente sono fatti loro, corrispondono a un terzo della popolazione. E anche il tessuto industriale si è contratto del 30%. Si je peux ouvrir une petite parenthèse, questa cosa ci fa capire una cosa molto semplice, che l'attuale gestione della crisi europea, come si capiva anche dalla parola di Alberto prima, sembra, se vogliamo vedere il risultato, indirizzata a risolvere un problema demografico della Germania, un problema demografico e di manodopera qualificata, con i soldi appunto dei paesi spendaccioni, dove fino a che abbiamo potuto farlo abbiamo insegnato ai nostri studenti che 2 più 2 fa 4, anche nei paesi dove 2 più 2 deve fare 5, quando poi si tratta di lavorare c'è bisogno di qualcuno che l'aritmetica la sappia sul serio. Donc, tu m'as compris, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Très bien. D'ailleurs, Jacques Sapir dit la même chose. Ah voilà, j'en suis ravi. Démographique allemand. J'en suis ravi, oui, parce qu'on le sait. Il a dit ça, on en avait discuté il y a quelques mois. Mais ça, c'est une chose très intéressante, parce que, pourquoi je sais cela? Parce qu'à la télé française, on en parle, à la télé italienne, on n'en parle jamais.
nella televisione francese si parla molto spesso del fatto che la Grecia, che la Germania, scusatemi, ha dei problemi demografici, e io l'ho imparato perché lavoro lì 2 mesi l'anno. La televisione italiana non se ne parla mai, però, mais après, lorsqu'on va voir les statistiques sur la soutenabilité de la dette à long terme, on voit que l'Allemagne est dans une condition pire que l'Italie, par exemple, et là on comprend. Hein? Quando vedete quel grafico che vi ho fatto vedere diverse volte sulla sostenibilità del debito a lungo termine, si vede che noi stiamo messi, diciamo così, meglio della Germania, o se volete la Germania sta messa un po' peggio di noi. E lì si capisce. Pardon, excuse-moi pour la parenthèse. On peut dire aussi que la crise, pour nous c'est très clair, c'est la gestation de nouveaux modèles, pas seulement économiques. Je dirais que c'est un type anthropologique et culturel qui est né malgré nous, à cause de la dite crise. Et j'ai l'impression, et de plus en plus, à chaque fois que je suis invité en dehors de la Grèce, de faire un voyage exotique. C'est-à-dire, nous sommes davantage dans un très très mauvais 21e siècle. Vous êtes encore quelque part dans un 20e siècle encore heureux, si j'ose dire, malgré tous ces problèmes que l'on connaît. La crise propone propone e impone un nuovo modello antropologico e culturale, e dice Panagiotis una cosa che, vabbè, anche questa l'ho vissuta anch'io in qualche modo. Quando lui va all'estero, quando gli capita, lo vive come un viaggio esotico, ma come un viaggio soprattutto nel tempo, nel senso che lui sente di venire da un paese del ventunesimo secolo, che stanno preparando per noi, con prepara, e trova che noi invece in qualche modo viviamo ancora in un ventesimo secolo che, malgrado tutte le difficoltà che stiamo sperimentando, è comunque ancora relativamente felice. Ce nouveau modèle consiste premièrement à la paupérisation très très rapide d'à peu près 70% de la population est concernée. Il y a en Grèce en 3 ans l'équivalent de nouveaux chômeurs qu'est l'ensemble des fonctionnaires du pays, c'est-à-dire à peu près 1 million. C'est comme si dans un pays comme l'Italie ou la France, on avait renvoyé d'un coup du secteur privé autant que les fonctionnaires du pays. En France, il y a à peu près 4 à 5 millions de fonctionnaires. C'est pour donner un peu l'ampleur de la catastrophe. Sì, questo modello in primo luogo si presenta con l'impoverimento rapido di una percentuale importante della popolazione, del 70%. Per esempio, in 3 anni, tu disais, il y a eu un million de... A peu près... Un milione di nuovi chômeurs. Sì, un milione di disoccupati corrispondenti più o meno a dimensione dei fonctionnaires pubblici. Voilà, sì, c'è a peu près 800.000. Sì, quindi diciamo, si sono creati una quantità di disoccupati corrispondenti alla dimensione degli impiegati pubblici esistenti, che nel frattempo sono altresì stati tagliati. È una cosa come se noi avessimo avuto 4-5 milioni di disoccupati in più in 3 anni, insomma, questa è la proporzione fatta in rapporto alle dimensioni della popolazione. C'est-à-dire, on a commencé par le secteur privé. Si on va se balader du côté d'Athènes et ailleurs, et pas sur les îles, parce que les îles de la mer Égée avec le tourisme, c'est différent. Mais lorsqu'on va se balader, par exemple, à Athènes et ailleurs en Grèce, on verra à peu près entre 20 et 40% de magasins qui sont fermés. Hein, des commerces, des boutiques, des petites et moyennes entreprises.
Et lorsque j'ai dit que la Grèce est sortie de l'euro, je dirais même que la Grèce est sortie du capitalisme. Ce que nous vivons dans ces pays, c'est un métacapitalisme. Pourquoi c'est un métacapitalisme? C'est un métacapitalisme parce qu'il n'y a pas de capitaux. C'est-à-dire, c'est très simple, ce n'est pas une analyse d'économiste, mais voilà un pays où l'argent ne circule pas, où les banques ne prêtent plus d'argent à qui que ce soit, et où les entreprises qui n'ont pas de liquidité, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, ne survivent pas. J'ai discuté récemment avec l'ami d'un ami qui est un petit industriel, et alors il me disait, premièrement, pour survivre et maintenir ses à peu près 50 salariés, il exporte uniquement, ou pratiquement, c'est-à-dire il exporte 80% de sa production. Mais le problème, c'est que pour ces matières premières maintenant, il faut importer, et uniquement importer, puisque les productions grecques en matières premières concernant son activité n'existent plus. Et comme il faut importer, il faut payer cash et au préalable, puisque aucune lettre de créance des banques grecques n'est acceptée nulle part. Ce qui veut dire que s'il n'a pas de liquidité, et ce n'est pas évident, il mourra. En plus, il est surtaxé. C'est-à-dire, l'imposition en Grèce a énormément augmenté, et le problème, ce n'est pas l'imposition, c'est l'imposition dans une économie où il n'y a plus de richesses créées. L'aggressione è cominciata nel settore privato e naturalmente non la vediamo quando andiamo nelle zone turistiche, che comunque in qualche modo sono floride, ma la vediamo quando andiamo nelle città come Atene o comunque all'interno, dove basta camminare per strada e vedere che il 20 e il 40% dei negozi sono chiusi, cosa che peraltro mi sembra di aver visto anche a Padova, per inciso. Il professor Santarelli ne è testimone. Panagiotis dice che la Grecia è uscita dal capitalismo, vive in un metacapitalismo che è un capitalismo senza capitali, perché i capitali non ci sono più. Parlava con un piccolo industriale che dà lavoro a 50 persone e che esporta l'80% della sua produzione, d'accordo? Allora è interessante il punto di vista, diciamo, dell'esperto del settore, perché lui dice che adesso le materie prime e i semi lavorati che prima utilizzava venivano anche dalla Grecia, ma la distruzione del tessuto industriale ovviamente fa sì che adesso debbano venire tutti dall'estero, tutti i semi lavorati e tutte le materie prime. Solo che nessuno fa più credito a un greco e quindi lui deve avere liquidità in anticipo e deve pagare cash e in anticipo quello che gli serve per poi poter esportare, perché non vengono più accettate le lettere de créance, le lettere di credito di una banca greca. E senza liquidità quindi muore. Domani poi parleremo anche di come si può mettere in un sistema economico della liquidità che non viene dalle banche, suppongo che lo possiate immaginare facilmente. Inoltre è surtaxé, e se pensate a Oscar Giannino, la traduzione ve l'immaginate, è sovratassato, tartassato dallo Stato, perché naturalmente lo Stato deve rientrare. Il piccolo problema è che però lo Stato non gli permette di creare ricchezza, perché le condizioni attuali sono queste e quindi naturalmente lui le tasse non le può pagare. Morale della favola, suicidio. Non fisico in questo caso, mi riferisco a quello dell'azienda che non ce la fa più andare avanti. E dunque, déjà je peux présenter mon propre cas. Moi j'ai travaillé en collaboration avec les centres de recherche scientifique grecs. J'ai collaboré aussi avec un centre d'archives privées et j'avais en charge une collection très très rare des documents comme des lettres du front des guerres, de la Première Guerre mondiale. Et je collaborais aussi avec une maison d'édition qui me commandait des livres d'histoire pour les grands publics ciblés, qu'on appelait ça de la vulgarisation historique pour aller vite. Et ça a commencé comme ça, premièrement, pour une certaine quantité de travail, par exemple concernant la maison d'édition, j'étais payé 4000 euros. Ensuite, pour la même quantité de travail, j'étais payé 2000 euros. Ensuite, pour la même quantité de travail, j'étais payé 1000 euros, sauf que je n'ai touché que 300 euros. Alors, moralité, c'est terminé.
le centre de recherche scientifique n'a pas renouvelé mon contrat et les centres d'archives privées a quasiment fermé. C'est un exemple parmi d'autres. J'ai par exemple un ami qui est journaliste. Il travaillait pour un très très grand journal grec et son salaire net était de 2000 euros par mois, ce qui était, on va dire, assez correct. Il a été licencié, il a perdu son travail, il est resté plus d'un an au chômage. Il a retrouvé du travail dans un autre grand journal. Il fait exactement le même travail qu'avant, sauf qu'il gagne 1000 euros par mois, mais il n'a pas été payé depuis juin. Bene, cioè male. Due esempi, uno autobiografico di Panagiotis e uno di un suo amico che fa il giornalista. Panagiotis lavorava al CNR greco come antropologo, poi lavorava per un archivio privato che aveva una collezione molto importante di lettere dal fronte della Prima Guerra Mondiale, della quale vi ricordo che l'anno prossimo ricorre il Fausto anniversario in condizioni... E qui mi fermo. E poi lavorava per una casa editrice. Allora, cominciamo dalla casa editrice. Prima della crisi un certo tipo di lavoro gli veniva pagato 4.000 euro, poi è sceso a 2.000, poi a 1.000, di cui però gliene venivano liquidati solo 300, quindi quella cosa è finita. Il CNRS non gli ha rinnovato il contratto a partire dal 2010 e l'archivio privato di fatto si è chiuso, perché, come dire, quando si prepara una guerra non si pensa a quella prima, evidentemente. Il giornalista di cui parlava, il suo amico, lavorava per un importante quotidiano greco e percepiva 2.000 euro netti, che era, diciamo, un salario corretto, insomma. Poi è stato un anno senza lavoro e quando ha ritrovato lavoro in un altro quotidiano per fare sostanzialmente le stesse cose lo pagano 1.000 euro, però hanno smesso di pagarlo a giugno e nel frattempo siamo a ottobre. E là ce ne sono che due esempi, c'est-à-dire una très très grande partie della popolazione, même parmi les gens qui travaillent, surtout dans le secteur privé, ne sont pas payés à l'heure ni correctement, évidemment. Et il y a des gens qui travaillent et qui travaillent durement, mais qui n'ont pas vu leur salaire depuis 6 ou 10 mois. Et ça se généralise. C'est pour ça que j'ai dit, nous sommes dans une économie qui n'est plus capitaliste, dans le sens où les entreprises n'ont pas de liquidité et où ceux qui travaillent encore ne sont pas payés non plus. Et la dernière nouveauté, qui n'est d'ailleurs pas une nouveauté, c'est que maintenant, c'est le secteur public qui est touché. C'est-à-dire maintenant, on est en train de licencier dans le secteur public. C'est des gens qui sont fonctionnaires. Et on pratique pour ce faire une bonne, entre guillemets, idée qui s'appelle la mort subite. En juin dernier, le gouvernement a décrété la mort subite de la radio-télévision publique ERT en une journée. C'est-à-dire, ils ont fermé en une journée. Ils ont dit, voilà, vous n'existez plus. L'aggressione poi, beh, insomma, come avete capito, nel settore privato le cose non vanno bene, non siamo più in un capitalismo, non c'è liquidità, si lavora ma non si viene pagati e quindi, come dire, c'è gente che non viene pagata da 10 mesi, 8 mesi. E poi il passo successivo è evidentemente l'aggressione al settore pubblico, dove si paga, si applica un modello che è quello della mort subite, della morte improvvisa, e lo abbiamo visto perché di questo un po' se ne è parlato nel caso della ERT, della televisione greca pubblica, che è stata chiusa da un giorno all'altro, cioè gli è stato detto voi non esistete più, e questa è la fine del discorso. De la même façon, c'était entre juillet et août 2013, on a décrété la suppression de toutes les polices municipales du pays. C'est-à-dire, en 3 jours, il n'y avait plus de police municipale nulle part. Ainsi de suite, ça continue. Ça peut être, par exemple, une partie du personnel administratif des universités, etc. etc. Et il n'y a pas de fin. Alors, par là, je pense que le mémorandum et la politique de la Troïka, évidemment, des gouvernements grecs,
est une politique très réussie, puisque le monde du travail est déstructuré, pour ne pas dire inexistant, et surtout, il n'y a quasiment plus des conventions collectives dans le pays, puisqu'elles ont été toutes abolies. Sì, fra luglio e agosto del 2013, cioè di quest'anno, è stata soppressa la polizia municipale in tutti i comuni, quindi non ci sono più i pizzardoni, come li chiamiamo a Roma. Poi si è passati al personale amministrativo universitario e di fatto la politica del memorandum, la politica della Troica è riuscita, nel senso che ha completamente destrutturato il mercato del lavoro, nel quale di fatto non esistono più contratti collettivi nazionali. Donc, lorsque j'ai dit que nous sommes dans un modèle tout à fait nouveau, effectivement, c'est comme ça et c'est le choc permanent. Alors, dans ces nouveaux modèles que j'appellerais anthropologiques et culturels, il y a ces chocs permanents, ça tient de la psychologie, voire de la psychanalyse, ce qui ne permet pas à une population le temps de la réflexion. Les gens sont bombardés de très très mauvaises nouvelles du matin au soir, et ça dure 3 ans. Nous sommes dans une monoculture de la crise et une monoculture de la catastrophe. Pour vous donner une idée, la loi fiscale a changé en Grèce depuis quelques mois 19 fois. Ce qui veut dire, lorsqu'on est un entrepreneur, lorsqu'on veut créer une nouvelle société, lorsqu'on est un simple salarié, ou peut-être un retraité, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Il n'y a aucune stabilité, et ce n'est pas parce qu'ils sont incompétents, moi je ne les crois pas. Ce sont des gens très intelligents et très compétents. C'est parce que de cette façon-là, on déstabilise la noésis, la pensée, et dans une population donnée, la réaction devient très très petite, voire très difficile. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu de réaction, je reviendrai. In questo nuovo modello lo shock è permanente e quello che dice Grigorio è che Panagiotis, scusatemi perché io mi sono confuso con il nom de famiglia, e che se forse vi ricordate nel blog un imprenditore scrisse una lettera una volta, no? Quando poi cominciarono a dirmi che ero interclassista, dicendo se solo avessimo il tempo di fermarci a pensare, non so se vi ricordate quella lettera, era bellissima, poi magari ne riparleremo quando... dice Panagiotis è un dato psicologico deliberato, non vogliono darci il tempo di riflettere, siamo immersi in questa monocultura della crisi, della catastrofe e soprattutto dove, diciamo così, le riforme vengono attuate in un modo convulso, caotico, 19 riforme della legge fiscale nell'ultimo periodo, anche per mettere le persone in una condizione di inferiorità psicologica creata dall'incertezza, l'incertezza che ti impedisce di prendere delle decisioni, che ti destabilizza, che destabilizza la noesis, la coscienza, il pensiero, per cui uno non ha più il tempo di attrezzarsi. Et aggiungerei, j'ajouterai aussi que cela aide à passer le message que c'est de votre faute ou de notre faute, parce que nous, on nous culpabilise systématiquement. Oui, culpabilise. Esattamente, quindi serve anche a far sentire le persone in colpa, cioè siamo tutti così frastornati che pensiamo alla fine di meritarcelo o che sia colpa nostra, perché naturalmente abbiamo tante persone che abbiamo eletto per andare a prendersi 13.000 euro al mese, diciamo così, a rappresentarci, che in cambio ci dicono che è colpa nostra, insomma. Nos parlementaires ou nos hommes politiques, bien souvent, nous disent... E le vôtre aussi. Mais oui, c'est clair. Donc, una faccia, una razza. C'est ça. On les dit ça, c'est nous aussi. C'est ça. Et lorsque j'ai dit qu'il y a cette transition vers une économie et une société qui serait métacapitaliste et métadémocratique aussi, c'est aussi que, premièrement, actuellement, on est en train de
faire une très très bonne marche arrière quant aux libertés, mais aussi, par exemple, quant au respect de la propriété privée. Maintenant, on est en train d'attaquer la propriété privée des gens. On sait que les Grecs sont propriétaires de biens immobiliers quasiment tous. À peu près 80% des Grecs ont quelque part une maison, soit au village, soit en ville, un appartement. Alors, actuellement, puisque les ménages n'arrivent plus à honorer leurs impôts parce qu'il y a une taxation qui ne s'arrête pas, surtout sur les biens immobiliers, mais elle tombe à un moment où les gens n'ont plus de travail. Et donc, la nouvelle loi, enfin une des nouvelles lois fiscales qui date d'il y a à peu près un mois, précise, ou c'est une proposition, mais en tout cas ça a été annoncé, que les citoyens peuvent, s'ils n'arrivent pas à payer leurs dettes envers l'État, peuvent payer en léguant à l'État leurs biens immobiliers, sauf s'il y a une différence entre la valeur du bien immobilier et la dette, l'État ne rend pas l'argent. Alors, si vous appelez ça du capitalisme, moi, je pense que jadis, on disait en Grèce, vous savez, si c'est le communisme qui arrive, on n'aura plus de maison. Alors maintenant, voilà ce qui arrive en Grèce, et ce n'est ni le communisme, évidemment, et je crois que ce n'est ni le capitalisme non plus. Voilà. Allora, dice Panagiotis, ma insomma, che in questa società metacapitalista è anche una società metademocratica, e qui, parenthèse, la raison pour laquelle j'ai ouvert mon blog n'était pas strictement économique. Ce qui me préoccupait à moi, c'était plutôt le côté démocratique, parce que ça, c'est très mal commencé. Parce que c'est les élites qui ont décidé pour nous, mais sur ça on pourra revenir déjà au début, donc, et ils nous le disent. Mais bon, comunque, questo era un backstage. Società metademocratica dove si fa marcia indietro non solo sulle libertà civili, e di quello poi ci parlerà, ma anche aggredendo la proprietà, che insomma è uno dei diritti, diciamo così, riconosciuti nell'Occidente da alcuni millenni. Per esempio, sembra che in Grecia, come in Italia, quasi tutte le famiglie abbiano delle proprietà immobiliari. E allora adesso circola una proposta di legge da circa un mese, secondo la quale chi non riesce a pagare le tasse, magari perché ha perso semplicemente il lavoro, viene di fatto espropriato, cioè può pagarle cedendo i propri beni immobiliari allo Stato, con un piccolo dettaglio non indifferente, che se devi 10.000 allo Stato è una casa che vale 50.000, magari comunque il prezzo è caduto, anche questo va tenuto presente, comunque 40.000 che lo Stato si prende in più non te li ridà. E notava amaramente Panagiotis, quando, penso al tempo dei colonnelli o giù di lì, ma anche al tempo della Troica, raccontavano che se arriva il comunismo non avremo più le nostre case, dice questo sta succedendo adesso, non abbiamo il comunismo, ma quello che abbiamo non è neanche un capitalismo, perché non rispetta neanche il diritto di proprietà, che una società liberale normalmente, almeno a chiacchiere, rispetta. Bon. Donc c'est un changement de modèle. Dalle prime file il nostro tecnico del settore, Luciano Barracaracciolo, ci informa che anche in Italia l'esecuzione fiscale ha delle caratteristiche simili. Però poi... E allora... Malheureusement, tu ne nous apprends rien, mais ce n'est pas plus plaisant non plus, pour autant. Donc, voilà. Alors, les nouveaux modèles de société, il est aussi basé... sur la peur et sur la fin des certitudes quant à l'avenir. C'est-à-dire, pour une immense majorité des gens, il n'y a plus aucune projection
dans le temps. Les temps immédiats, c'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir fixer une excursion le week-end prochain pour s'amuser ? Ça, déjà, on ne peut pas les dire parce qu'on n'a pas les moyens. On ne peut pas fixer non plus, par exemple, les calendriers relativement connus et rodés des sociétés occidentales, par exemple, les prochaines vacances. On ne peut pas fixer non plus un calendrier à plus longue échéance, c'est-à-dire la retraite, puisqu'on nous dit que la seule retraite finalement garantie, ce serait 360 euros par mois. On n'en est pas encore là, mais on le voit venir. Et donc, évidemment, les systèmes de santé, ils souffrent énormément. Et comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas compter, si ce n'est que sur sa bonne santé. Et là, ce facteur temps, qui est aussi un facteur toujours structurant pour les sociétés humaines, quelles qu'elles soient, n'existe plus. À partir de là, évidemment, les gens sont déboussolés. Ce n'est pas seulement une question d'évolution de carrière, comme on disait jadis. C'est qu'il n'y a plus aucune projection. Moi-même, mes amis, nous vivons au jour le jour. Et nous nous débrouillons au jour le jour. C'est une forme de société et des cultures de la survie. Et à partir de là, je dois dire que tout calcul des partis issus, par exemple, du monde de la gauche, qui étaient des partis qui, sincèrement ou pas, avaient prôné la résistance face à la Troïka, tout cela vole en éclats. Parce que tout a été calculé sur un monde de pensée où les gens avaient leur salaire et ils luttaient, tandis que là, les gens n'ont plus leur salaire, n'ont plus rien. Et donc, ils ne lutteront pas parce que leur première préoccupation, c'est la survie. Néanmoins, on a eu en Grèce à peu près 8500 manifestations en quelques mois. Ce n'est pas que les gens ne sortent pas, mais les gens ont compris que finalement, les partis de gauche ou les partis de droite, parce qu'il y en a un, anti-mémorandum, n'ont pas réussi à empêcher une seule loi du mémorandum et de la Troïka depuis 3 ans. Et alors là, on est dans un vide démocratique, un vide tout court. È una società della paura, è una società dell'incertezza, e chi naturalmente fa il lavoro che faccio io, faccio il blogger, no, faccio l'insegnante, vede questa paura e questa incertezza cominciare ad affermarsi anche un po' da noi, ma da loro di più. D'altra parte, apro e chiudo una parentesi, vi ricorderete di un nostro illustre economista che aveva detto che era tempo che ci riavvicinassimo alla durezza del vivere. Non sto a citarlo perché non mi sembra il caso. E chi non lo sa cerca durezza del vivere su Google e vede di chi sto parlando. Il progetto ha funzionato. In Grecia non c'è più orizzonte per i giovani, diceva, non c'è orizzonte neanche a livello di decidere che cosa facciamo il prossimo weekend, per non dire di se riusciremo ad andare in vacanza, per non parlare poi della pensione. Adesso si parla di pensioni a 360 euro, ma probabilmente non li vedranno, il sistema sanitario è in pezzi, per cui puoi solo contare sul fatto di essere in buona salute. Quando c'è la salute c'è tutto, diventa una realtà che puoi sperimentare ogni giorno. E questo diciamo distorce completamente il fattore tempo, che è un fattore strutturante comunque per una società, diceva Panagiotis, diciamo, da tecnico del settore etnologia. E le persone sono scombussolate, non si parla più neanche di un percorso di carriera, si parla proprio di una totale assenza di progetto e di prospettiva. E questo fra l'altro manda completamente in pezzi, e questo cerchiamo di tenercelo presente, visto che qui qualcuno c'è, i partiti, in particolare i partiti della sinistra, per un semplice motivo, perché la loro strategia prevedeva che le persone
avrebbero in qualche modo potuto, diciamo così, mobilitarsi, opporsi, ma per mobilitarti, per opporti, devi comunque avere un salario, perché se il tuo problema è la sopravvivenza non riesci neanche a strutturare un movimento di resistenza. Ci sono state delle manifestazioni, ma ormai la gente percepisce che i partiti, sia di sinistra che di destra, in 3 anni non sono riusciti ad opporsi neanche a una delle proposte di legge della Troica, e questo crea un vuoto di democrazia. Sì, dimmi. Ma possiamo forse fare la... Tu vuoi accettare delle questioni o alla fine? Forse alla fine, facciamo così. Proviamo a fare un po' di dibattito, se abbiamo tempo, perché dovremmo finire alle 7 e penso che avremo tempo. Poi a cena, se avete voglia di parlare di cose tristi, continuiamo, se no ci ubriachiamo. E donc, pour finir avec le modèle, dans le quotidien, un exemple, il y a aussi un retour massif au chauffage en bois. C'est-à-dire, il y a une baisse de 80 à 90% des commandes en fuel domestique, puisque son prix a été triplé, et donc les gens s'échauffent au bois, ce qui veut dire qu'en hiver, nous avons froid, même à Athènes, et surtout, toujours, même à Athènes, en hiver, il y a ce qu'on avait constaté, par exemple, à Londres, dans, je crois, les années 50, il y a un smog, il y a une pollution atmosphérique liée au combustible. Et là, tout le monde dit, parce qu'il y a quand même les souvenirs historiques, hein, mais nous sommes revenus aux années 50, voire aux années 30. Et il y a en même temps une quasi-généralisation pour beaucoup de gens des salaires d'à peu près 300 à 500 euros par mois. Sans que le prix change. En tout cas, les prix, certes, les loyers sont en baisse, mais un café à Athènes, il vaut souvent 3 euros. Donc, lorsqu'on vit ou on survit avec 300 euros par mois, en réalité, on sort encore une fois de l'économie telle qu'on la connaissait. Alors, je vais finir. Oui, oui. Puis-je traduire ce que tu viens de dire ? Oui. Oui, sì, sì, ma tu as tout le temps. Hein. Dunque, sono. Mais d'abord, tu me permets une petite question à un de mes amis. Antonello, ma perché ti sei sposato un inglese che sai così bene il francese e invece quando vi parlate non vi capite? Sta cosa. Vabbè, poi ne parliamo dopo. Allora. La puoi fare la simultanea? Là c'è la cabina. Allora, sono tornati al riscaldamento a legna, è caduto dell'80% la domanda di cherosene per riscaldamento domestico, quindi in inverno anche a Atene c'è freddo e c'è anche lo smog perché naturalmente si inquina di più, i salari sono a livello di fra i 300 e i 500 euro, insomma il mini job, diciamo così, la media, la mediana è quella. Ma i prezzi non sono tutti scesi in modo conforme. A Atene, ve lo immaginate facilmente, un caffè può costare anche 3 euro, anche se naturalmente per esempio gli affitti sono scesi, c'è stato un calo di alcuni mercati. Quindi questo è così, un esempio pratico di che cosa significa il nuovo modello. E donc voilà la troisième ou la quatrième, si vous voulez, mutation, parce qu'il s'agit des mutations, c'est les changements de régime. C'est-à-dire, le régime politique n'est plus le même, sauf qu'il a peut-être l'intelligence, entre guillemets, si vous préférez, que de garder sa coquille vide. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est que les mémorandums ? Les mémorandums est un texte qui accompagne les traités d'emprunt, avec la Troïka, et les mémorandums est un texte qui règle et réglera, on nous dit, pendant 50 ans, la vie politique, économique et sociale du pays. Lorsqu'on arrive
devant le Parlement, c'est-à-dire le gouvernement arrive devant le Parlement, moi je mets maintenant des guillemets entre le mot Parlement, et amène un texte dit mémorandum qui fait à peu près 750 pages, et on dit aux députés, vous savez quoi, il faut adopter les textes ce soir ou demain soir, parce que lundi, il y a un regroupe, comme par hasard. Alors, ce texte de 750 pages n'est quasiment pas lu, premièrement. Deuxièmement, évidemment, c'est un texte énorme. Et en une nuit, parce que souvent il est adopté des nuits, on découvre que des décennies de réglementations qui ont mis du temps à mûrir et qui ont été basées sur un contrat social, par exemple les conventions collectives, les droits au travail et plein d'autres, sont abolis en quelques heures seulement, et ça continue. Et à chaque fois, on a une nouvelle mouture du mémorandum accompagnée des mesures qui ne s'arrêtent pas. C'est-à-dire, tous les jours, on nous annonce des nouvelles mesures, même si des politiciens qui gouvernent avaient dit qu'à un moment donné, on arrêterait avec les nouvelles mesures, mais on sait que ça ne s'arrêtera jamais tant que la situation ne change radicalement. Et donc, le mémorandum, c'est ça. Et même des députés, voire des ministres du gouvernement, avouent publiquement qu'ils ne l'ont pas lu. Ben, évidemment, il est adopté. Et aussi, la dernière nouveauté, c'est qu'on gouverne également par décret. C'est-à-dire, au lieu de faire passer une loi qui serait quand même un tout petit peu discutée devant le Parlement, elle ne l'est pas du tout. Et la presse grecque prétend que lors des négociations entre les ministres des Finances de Papandréou et certains Papa Constantinou et la Troïka et Bruxelles, Papa Constantinou aurait dit, ça c'est la presse grecque qui raconte, je pense qu'ils ont leurs sources, donc la presse dit, voilà, pendant ce temps-là, Papa Constantinou avait promis donc, à Bruxelles et à la Troïka de gouverner et de gouverner durablement sans la Constitution. Sì, questo ci ricorda qualcosa. È una mutazione che di fatto comporta anche un cambio di regime. Il regime cambia, ma ha l'intelligenza di mantenere, diciamo così, il suo guscio vuoto. Il memorandum è un documento che accompagna il prestito internazionale che è stato fatto alla Grecia e regolerà, qualcuno dice, per i prossimi 50 anni la vita del paese. È un documento di 750 pagine e è stato chiesto di adottarlo in tempi molto rapidi, il che significa che i politici che lo hanno adottato di fatto non hanno avuto modo di praticamente leggerlo e di capire che cosa ci fosse dentro. E quindi in questo modo decenni di regole che risultavano, regole che erano maturate in decenni di elaborazione di un contratto sociale, sono state spazzate via in poche ore. E quindi, oltre al fatto che questo è stato fatto, diciamo così, sempre sull'onda, no, della shock economy, c'è anche un altro dettaglio, il dettaglio che ormai in Grecia si governa per decreto. E ci ricorda anche questo qualche cosa. Le leggi quindi non vengono discusse in Parlamento, infatti nell'intervento precedente Panagiotis aveva detto che è un Parlamento per modo di dire, nel senso, volendo dire, che è un Parlamento dove non si parla sostanzialmente. E voilà. Donc, premièrement, on sait aussi que les chiffres grecs ont été aggravés vers 2009 et 2010, sciemment aggravés, pour que le pays soit pris en charge, si on veut, par la Troïka et le FMI. Et donc, cette situation, premièrement, amène à l'annulation de fait du Parlement et de la Constitution. Et en même temps, évidemment, une perte extraordinaire de ceux qui ont resté de la souveraineté d'un pays qui n'a jamais été aussi, on va dire, très, très vaillant. Parce que là, il y a quand même, derrière le mécanisme
de l'euro, il y a aussi une géopolitique. Chez nous, en Grèce, depuis chez nous, elle est très très visible. Et je dois vous dire que nous, en Grèce, nous avons aussi un ministre allemand. Un certain monsieur qui s'appelle Hans-Joachim Furtel, qui est ministre délégué auprès d'Angela Merkel et qui a été nommé depuis 2 ans pour gérer le portefeuille grec. Et souvent, il est basé à Salonique et il passe son temps à promouvoir ce qu'il appelle un conseil germano-grec de la coopération. Donc, lorsque vous avez un ministre de notre pays qui est chez vous et qui s'occupe de vos affaires, même si les intentions seraient bonnes, je pense qu'on n'est plus du tout dans le cadre des pays souverains. Et ça ne présage rien de très bon pour la zone euro déjà, parce que j'ai toujours, en tout cas personnellement, considéré qu'à partir du moment où on arrive à de telles solutions, la situation est très grave. Et on est carrément sorti de ce qu'on pensait être non seulement la zone euro, mais l'Union européenne. À partir de là, tout est possible et tout est imaginable. C'est-à-dire des collaborations entre pays qui respectent au minimum la souveraineté, je pense que ce serait toujours une assez bonne idée. Mais là, je ne pense pas qu'on est dans ce cadre-là. Et pour ce qui est aussi des affaires entre la Grèce et l'Allemagne, je dois vous dire, mais vous le savez peut-être, que durant les dernières élections en Allemagne, il était beaucoup question de l'affaire grecque. Et chez nous en Grèce, il y a souvent, dans la presse, on parle beaucoup de ce qui se passe en Allemagne, de ce que les Allemands, les hommes politiques et Angela Merkel disent sur les cas grecs, ce qui prouve que finalement... On n'a jamais vu ça auparavant. Donc, ce qui prouve qu'il y a quelque chose et que finalement, moi, ça me fait penser à des situations historiques où des affaires de la colonie étaient discutées ou interféraient dans le débat interne de la métropole. Évidemment, ce n'est pas une métropolisation telle qu'on la connaissait avant, puisque l'histoire ne se répète pas. Mais j'ai craint qu'on entre dans une zone qui n'est pas encore... ni explorée, ni parfaitement acquise, y compris pour les élites de l'Allemagne, qui, à mon avis, font une erreur. Mais bon, et ce qui ouvre la porte à des problèmes immenses au niveau de l'Europe, du continent européen, et ce qui fait aussi qu'une relativement bonne image des uns et des autres, qu'on avait... et qu'on a mis du temps à construire après la Deuxième Guerre mondiale, n'est plus. Donc on joue avec le feu. Oui. Malheureusement. Panagiotis dice che le cifre che descrivono la situazione greca sono state distorte artatamente perché il paese fosse in qualche modo preso in carico dalla Troica e questo ha determinato una perdita di sovranità. Peraltro io quella famosa storia che a un certo punto ci siamo accorti che il deficit greco era più alto eccetera eccetera, vi devo dire che confrontando le statistiche del Fondo Monetario Internazionale prima e dopo la rivelazione non vedo alcun cambiamento nelle cifre del deficit greco, per cui non sono mai riuscito a capire esattamente di cosa ci parlassero i nostri giornali quando ci hanno detto che dovevamo occuparci dei fratelli greci perché erano stati un pochino birichini e quindi dovevamo togliergli la democrazia. La geopolitica dell'euro si vede molto bene dalla Grecia, loro hanno di fatto un ministro tedesco nel loro governo, Furtel, chi mi segue su Twitter lo sa perché quando lui me l'ha detto su Skype io ve l'ho twittato subito, che sta a Salonicco e fa parte del cosiddetto Consiglio Germano-Greco della Cooperazione. Ora naturalmente anche se le intenzioni del fratello nell'euro tedesco sono ovviamente buone, questo significa però che c'è una specie di limitazione di sovranità. Quello che dice, e qui tra l'altro abbiamo un ottimo ponte per il prossimo intervento, quello che dice Panagiotis è che di fatto siamo usciti dall'Unione Europea perché non abbiamo più un modello di cooperazione fra paesi sovrani che decidono di
cooperare. Abbiamo un modello che in qualche modo potremmo definire forse neocoloniale. Lui faceva questo esempio: nelle elezioni tedesche si è parlato molto del caso greco, e questo è quello che succedeva nei tempi andati e che adesso stanno tornando, quando nelle metropoli, la metropole, cioè nel paese, diciamo, di origine, nel centro, insomma, si discutevano i problemi delle colonie, della periferia. E la cosa veramente drammatica è che, secondo Panagiotis, ma lo sapete anche secondo me, in realtà le élite tedesche non capiscono esattamente dove stanno andando, perché, vi ripeto la solita storia, la Germania non è una signora bionda che parla il tedesco e abita in Germania, ci sono tante istanze nella società tedesca scoordinate e probabilmente inconsapevoli o non perfettamente consapevoli dei processi che stanno attivando. E quindi il risultato è che l'immagine internazionale dei paesi coinvolti in questo progetto, che dopo la Seconda Guerra Mondiale avevamo cercato in tanti modi di ripristinare, no? Di far finta di essere amici, è completamente distrutta in questo momento, e quindi vediamo Angela con i baffetti, eccetera, eccetera, eccetera. E, voilà. Et donc, j'ai fini avec très rapidement, parce que évidemment, on pouvait. Il y a quelqu'un qui va parler de souveraineté juste après. Voilà. Donc, voilà. Alors, dernière chose, la recomposition forcée du paysage politique grec. Ah oui. Un mot seulement. Premièrement, après l'éjection, on va dire, il a été destitué en réalité, Papandréou, en 2011. On a eu un gouvernement sous les banquiers Papademos. Ces gouvernements-là étaient formés par trois formations politiques. La droite, la Nouvelle Démocratie, le PASOK, qui est l'équivalent du Parti Socialiste, et un petit parti d'extrême droite qui s'appelait les Laos. Donc déjà, sous la Troïka, on a un gouvernement qui, finalement, va ratisser très large. Ensuite, ce parti Laos qui a popularisé cette thèse a perdu d'influence parce que les gens n'ont plus voté pour lui parce qu'il avait participé au gouvernement. Et parmi les députés de ce parti d'extrême droite, il y en a qui sont partis à rejoindre la Nouvelle Démocratie. Et un ministre actuel, c'est-à-dire le ministre de la Santé, du gouvernement Samaras, est issu du parti Laos. Par la suite, une bonne partie de l'électorat du parti Laos a constitué l'électorat de l'Aube Dorée. Quelques mois plus tard. C'est pour vous montrer les cheminements. Et je dois aussi rappeler que l'Aube Dorée, aux élections de 2009, avait fait un score de 0,3%. Après trois ans, deux ans et demi de mémorandum, c'était son score à 7%, et il était donc crédité dans les sondages d'à peu près 15% il y a encore deux mois. Et justement, très très récemment, le gouvernement a, entre guillemets, découvert qu'il y avait des soucis avec l'Aube Dorée. Pendant des mois et des mois, le média dominant avait créé une très bonne image de cette formation politique. Et alors, l'astuce trouvée pour effectivement faire tomber l'Aube Dorée, en tout cas tel qu'il a été initié au départ, c'est-à-dire les accusations, l'emprisonnement de ses députés et de son chef, ont été au départ anticonstitutionnels. C'est-à-dire, au départ, on n'a pas saisi la Chambre des députés pour lever l'immunité parlementaire de ces gens, on l'a fait après. Ceci pour dire qu'une fois qu'on a utilisé l'affaire de l'Aube Dorée, le gouvernement Samaras, et Samaras lui-même, a déclaré que tous ceux qui ne sont pas dans le droit chemin et tous ceux qui voudraient faire sortir la Grèce de l'euro sont des extrémistes. Et à terme,
ils pourraient, leur action être criminalisée, et c'est déjà fait, puisque des activistes au nord de la Grèce qui luttent contre les mines d'or sont accusés de constituer une organisation terroriste, et ce n'est pas du tout cela, ce sont des gens qui veulent garder leur terre et la forêt, c'est tout. Donc, c'est pour dire que là, je pense que nous entrons dans une troisième phase de radicalisation du régime, et petit à petit, toute voie qui n'est pas celle du bon chemin, entre guillemets, du mémorandum, sera punie. Abbiamo avuto il governo del banchiere Papademos, che era composto da tre partiti, il PASOK socialista, la Nuova Democrazia di destra e il Laos di estrema destra, che poi ha perso influenza proprio perché era al governo e normalmente chi sta a destra, diciamo così, tende a essere nazionalista e quindi non amava avere persone che obbedivano alla troica. Dal Laos sono usciti alcuni verso la Nuova Democrazia, cioè verso la destra, fra virgolette, presentabile, cioè per esempio il ministro della Sanità del governo Samaras. Gli altri sono andati in Alba Dorata. Alba Dorata nel 2009 aveva fatto lo 0,3% e due anni e mezzo dopo il 7%, adesso ci si aspetta che abbia il 15%. E il governo si è accorto di avere dei problemi perché Alba Dorata ha sposato la battaglia anti-euro, però prima aveva comunque cercato, come dire, di accreditarla con una buona immagine. In realtà da quando Alba Dorata ha preso la piega dell'anti-euro, diciamo, si sono verificate alcune cose. Ora Panagiotis ci ha parlato nel suo blog, vi ricorderete, ve l'ho fatto, dell'assassinio di quel rapper, eccetera, eccetera. Poi il punto che solleva è che comunque l'arresto dei deputati di Alba Dorata è stato incostituzionale, perché prima sono stati arrestati e poi dopo si è discusso sulla loro immunità parlamentare. E la via che sta percorrendo la Grecia è molto pericolosa. Panagiotis dice che fondamentalmente dal Samaras è venuto il messaggio che chi non è sulla retta via dell'euro fondamentalmente è un estremista e che diciamo così, l'idea è che si potrebbe arrivare anche a criminalizzare, diciamo così, forme di pensiero critico. In effetti al nord della Grecia è successo che c'è un movimento, una specie di Notav, che in realtà lotta contro contro le miniere d'oro, perché sapete che adesso, no, vogliono scavare, eccetera, lottano fondamentalmente per difendere il proprio territorio, sono stati di fatto incriminati per terrorismo. Quindi, diciamo così, si va verso una forma di radicalizzazione del conflitto che non lascia presagire nulla di buono. E donc j'ai fini par une note optimiste, c'est que avec toute cette situation, finalement le débat grec, y compris ce que certains journaux écrivent, est devenu un vrai débat de fond, et où la langue de bois, où les euphémismes et les idioties qu'on entendait avant n'ont plus cours. C'est-à-dire, très très souvent maintenant, ce qu'on peut lire dans certains journaux en tout cas, devient très très intelligent. Je vais vous montrer juste des choses pour vous dire dans quelle mesure on est dans un certain débat. Ça, c'est un journal, s'appelle Le Quotidien des rédacteurs, il est proche du parti Syriza, qui est un parti de gauche. Il y a un article, c'est ce journal d'hier, d'Annunzio, patriote ou fasciste, par exemple. Ensuite... Je te remercie, au nom de mon université. Il y a sur une page l'interview de Niki Ventola. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Je vais dire, ce sont des opinions, mais je vais dire, ça prouve que des journaux et des journalistes grecs s'intéressent à certains. Là, le hasard a fait que c'est lui. Ça peut être d'autres acteurs de la vie politique italienne, espagnole, française, etc., ou allemande. Et dernière chose, c'est on se représente l'Union européenne et l'euro comme ça. Comment ? Ah oui. Oui. Voilà. Voilà. Per Twitter, per la diretta Twitter, in cage. Et je l'ai mis sur mon blog. Voilà. Cette photo. La trovate sul suo blog. Allora, rapide. Excuse-moi. Ce n'est pas un tabou.
non è più un tabou. Et ce n'est pas un tabou parce que c'est vécu. Donc les théorisations du gouvernement lorsque les gens n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins le lendemain, ça commence à ne plus passer. Questa conclusione? Oh, d'accordo. Allora, il dibattito greco è diventato un dibattito sulle cose reali, dove gli eufemismi non hanno più spazio. Per esempio, in questo quotidiano vicino a Siriza, ci si comincia a interrogare, sapete la famosa cosa del nazionalismo, no? Quindi D'Annunzio, patriota o fascista? Non lo so. Poi c'era un'intervista a Nichi Vendola, che lui vedeva, non so, positivamente, nel senso come segno di apertura al dibattito di altri paesi, e dice tutta una serie di temi non sono più tabù perché quando hai difficoltà a sopravvivere fino alla fine del mese non sei più disposto a farti raccontare la qualunque cosa che invece, come dire, da noi ancora va abbastanza di moda. Io ringrazio molto Panagiotis, gli avrei voluto chiedere tante cose. Grazie.